Quand on cherche les œuvres des peintres femmes dans un musée, la déception est souvent au rendez-vous. Il y a peu d'œuvres, ou pire, elles ne sont pas exposées. Leur production est effectivement minoritaire en comparaison avec celle des hommes. Mais cela signifierait-il que les femmes ne seraient pas capables de peindre aussi bien qu'eux? D'ailleurs, comment les nommer? Peintresses, peintres femmes? Pourquoi apparaissent-elles si tardivement dans l'histoire de l'art? Et pourquoi sont-elles en si petit nombre? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ici. C'est le poids des préjugés sur le rôle de chaque sexe dans la société qui a lourdement pesé sur elles. Les femmes sont fermement invitées à être avant tout des épouses et des mères, à s'occuper de leurs maris, de leurs enfants et de leur foyer. Si dans les milieux les plus cultivés, le dessin et la peinture font partie de leur éducation, il est hors de question d'en faire un métier. Pourtant, comme le notait déjà Pline l'Ancien il y a 2000 ans, des femmes aussi ont peint. Plus nombreuses qu'on ne le pense, elles ont affronté avec courage et tout leur talent ces obstacles à leur créativité. Elles ont réussi à s'imposer artistiquement et à faire une brillante carrière. Certaines sont passées à la postérité, d'autres sont tombées dans l'oubli. Le problème majeur pour elles était leur formation. La majorité des artistes femmes sont filles de peintres et se sont d'abord formées dans l'atelier familial. Mais ensuite, pour approfondir leur formation, elles n'ont que rarement accès aux corporations et aux académies. En effet, l'enseignement du nu au sein des académies est considéré comme tout à fait contraire à la bienséance pour les femmes. Par ailleurs, comment les imaginer fréquenter des ateliers mixtes sans que leur moralité ne soit vite remise en question ? Pour remédier à cette situation, certaines femmes peintres ont ouvert des ateliers spécialement dédiés aux jeunes femmes. Du fait de leur formation artistique généralement incomplète, les femmes sont souvent cantonnées aux genres dits mineurs, comme le portrait, les scènes de la vie quotidienne ou la nature morte. Cela n'en diminue pas moins leur talent et leur volonté de se faire connaître au salon. Les femmes ont excellé dans l'art du portrait, qui leur permet de gagner leur vie et d'être indépendantes financièrement. Mais certaines n'ont pas hésité à aborder la grande peinture d'histoire et le nu, qui était la chasse gardée des hommes. D'ailleurs, quelle attitude ont eu les hommes à l'égard de leurs consoeurs? Certains ont voulu empêcher les femmes de faire carrière, d'autres au contraire ont soutenu, défendu leurs filles, leurs élèves et leurs épouses. Souvent, les femmes ont dû prouver que c'était bien elles qui peignaient, faire face à des accusations d'immoralité et voir parfois leur carrière passer après celle de leur mari. Au XXe siècle, enfin, les relations entre les sexes tendent à s'équilibrer. Mais c'est surtout depuis les années 1970, grâce au mouvement féministe, que la place des femmes dans l'histoire de l'art est réévaluée. Leurs œuvres sont étudiées, restaurées, présentées dans des expositions. Elles leur sont parfois rendues après avoir été attribuées après leur mort à des artistes masculins. Alors le but de ce MOOC est de vous faire apprécier le travail de toutes ces femmes, certaines célèbres, d'autres méconnues, de l'Antiquité, au milieu du XXe siècle.